Phénomène endémique dans la sous-région et au-delà, dans tout le continent, le trafic de drogue nourrit des réseaux criminels établis et des liens avérés avec le terrorisme et le grand banditisme transfrontalier. D'où l'intérêt pour nos États et pour la communauté internationale de mutualiser les efforts pour lutter efficacement contre ces fléaux. En sachant bien que le Sahel et la région Afrique de l'Ouest sont des victimes aussi des trafics de drogue, malheureusement la consommation, les jeunes en sont les victimes. Bien sûr, ensuite, il y a d'autres pays de destination comme l'Europe, c'est aussi pourquoi nous voulons renforcer notre coopération dans ce domaine-là, pour pouvoir agir le plus en amont possible. Mais ensuite, je crois que c'est tout aussi important, c'est que cette lutte alliée réunit tous les acteurs régionaux, la coopération régionale et au-delà même internationale. La première conseillère à l'ambassade des États-Unis a également mentionné le rôle nocif du trafic de drogue sur la santé des hommes et sur l'économie nationale. Les efforts du gouvernement dans la lutte contre le trafic de stupéfiants visent à maîtriser le phénomène, sinon à l'éradiquer. Mais cela passe par une plus grande implication de tous les pays de la sous-région et de la communauté internationale. Cet atelier se tient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par de profondes mutations et de multiples défis sécuritaires auxquels sont confrontés nos États à travers, d'une part, la croissance de la criminalité transnationale organisée, en l'occurrence le trafic des drogues, et d'autre part, la faible coopération entre les États pour faire échec aux narcotrafiquants. Les intervenants estiment que seule une synergie d'action de tous les acteurs permettra de venir à bout de ce fléau.